Bonjour tout le monde, je suis Million Games et aujourd'hui nous avons 2 300 000 dollars argentins et nous allons voir avec combien nous terminons en jouant à Chicken Crush. Bien, ici c'est très simple, la seule chose que je vais faire est de mettre 2 300 000 dollars et notre point de départ. Et finalement, ici nous allons jouer, avec un risque moyen et voir combien nous gagnons et combien nous perdons. Nous allons commencer avec 10 000 dollars, quelque chose de tranquille, ce n'est pas beaucoup, c'est environ 10 euros. Rappelez-vous que si vous voulez aussi jouer, vous pouvez le faire en euros, en dollars, dans la monnaie que vous voulez. Et regardez, pour l'instant ça va bien. Jusqu'à présent, aucune voiture ne m'a écrasé. Parfait. Encore une. Bien, je me suis fait écraser. Ce n'est pas grave. Nous allons essayer d'atteindre l'autre côté même si cela semble assez difficile. Car nous avons un multiplicateur de 3, ce qui est beaucoup d'argent. Bien, nous avons déjà perdu 2 fois. Donc maintenant nous perdons 2 millions. Parfait. Bien, nous avons perdu plusieurs fois. Je vais y aller avec 50 000 dollars. Un peu plus risqué. Pour voir si nous récupérons tout ce que nous avons perdu. Bien. Cela semble assez difficile. Mais nous allons essayer de tout récupérer. Ce n'est pas beaucoup, mais voyons. Parfait. Encore une. La dernière. Parfait. 174 000 dollars. J'ai tout récupéré et je suis resté avec 34 000 dollars de gains. Assez bien. Et nous allons continuer. Nous allons mettre le risque de revie. Je le dis très difficile. Nous passons une. Parfait. Je retire. Je ne vais pas prendre de risque. Nous y retournons. Encore une. Bien. Je retire. Parfait. Nous allons aller à moyen. À high. Pardon. Une ici. Parfait. Encore une. Parfait. Encore une. Bien. Encore une. Bien. Encore une. Très risqué. Mais nous y retournons. Encore une. Encore une. Encore une. Encore une. Encore une. C'est bon. 37 000 dollars. Avec ça, je suis content. Nous allons continuer. Nous allons essayer le risque bas. Mais ici, il me semble que je devrais augmenter la mise parce qu'il y a peu de risques. Voyons. Bien. Pour l'instant, nous sommes en gain. Et nous jouons depuis 4 minutes. Voyons comment ça se passe. Voyons, encore une, et c'est plus. Nous avons gagné 1100 dollars. Retournons les jouets en desk et vite, qui est le plus difficile de tous. 1100 dollars. Parfait. Voyons, ici passer une fois est déjà très difficile. Donc nous allons essayer de passer. Voyons, 2, je me suis fait écraser. Allons-y, maintenant nous récupérons tout. Non. Voyons si nous récupérons. Bien, je trouve assez difficile de récupérer. Bien, nous récupérons tout. Parfait. Pour le moment, nous avons 2 369 000. Donc nous restons avec environ 69 000 dollars de gains. Et je vais risquer en lot. Nous allons mettre 20 000 dollars en lot ici. Perdre est difficile. Bien. Comme nous avons perdu, nous allons y aller avec 100 000 dollars. Parce qu'ici, on récupère tout de suite. Maintenant, ici tu prends 20% en cas de gain. Bien, nous avons presque tout récupéré. On en fait une de plus. Encore une autre. Bien, nous avons perdu. Je commence à m'énerver. Mais nous allons essayer de gagner ici, en high. Là c'est compliqué. Encore une. Parfait. Bien, nous allons essayer de tout récupérer d'un coup. Pour voir comment ça se passe. Une par ici, une autre. Une autre, la dernière, nous avons tout récupéré, parfait, nous avons tout récupéré, très compliqué en vérité, et nous aurions pu en passer une de plus si nous le voulions, mais la vérité est que c'est très compliqué. Nous terminons avec 2 369 000 dollars de gains. Bien, il semble que j'ai oublié d'enregistrer, et nous avons gagné 2 477 000 dollars, je vais le noter dans l'Excel. Alors, nous terminons avec un gain de 167 000 dollars. Assez bien. Et rappelez-vous que si vous voulez aussi jouer, je vous laisse le lien dans la description et dans les commentaires.